Alors Charlotte, c'est quoi l'activité ordinaire de quelqu'un? C'est quoi? Il n'y a pas que le loisir. Donc Amélie a dit que c'est une balançoire. Le travail. Ben oui. Travail, un truc de torture. Travail, torture, la racine latine, si tu veux, elle est un peu là-dedans. Ah. Eh oui. C'est bon travailler. Ben oui, ça s'appelle un travail. Mais il y a d'autres mots. En bourbonnais, c'était le travail. Et ça servait à quoi? Alors regarde, tu fais rentrer une bête à l'intérieur. D'accord? Ouais. Et puis pour lui tailler les pattes, les sabots, ben une fois qu'elle est là-dedans, tu mets des... Ils sont grands leurs chiens. Quelques cordes, on lui met un truc en cuir sous le ventre pour la l'immobiliser. Et comme ça, elle ne peut pas bouger, pour qu'on lui fasse des misères. Vas-y Charlotte. Ça rassemble beaucoup de monde, surtout des jeunes, enfin on rassemble des jeunes pour faire passer le message par rapport à ce qui s'est passé. Parce que comme je le disais dans mon dernier discours que j'avais fait au Mont-Mouché l'année passée, il ne faut pas tourner le dos à l'histoire et surtout perpétuer tous ces moments pour faire comprendre à tous nos jeunes que ben, la paix elle est fragile. Hein. Dixième année que les chemins de la résistance, et oui déjà, existent. Donc je voulais juste en profiter rapidement, ça ne va pas être très long, pour rappeler un petit peu l'origine de ce collectif, les chemins de la résistance. Donc en fait, ce collectif, c'est au départ, c'est l'idée, c'est une discussion qui a eu lieu à quelques-uns. Je vois qu'il y a Guy et Noël Galguier, ils ont fait partie. On se posait la question de savoir comment remobiliser les jeunes autour de l'histoire de la résistance et de la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus que nous sommes quand même sur un territoire qui est extrêmement marqué avec le deuxième maquis de France, le maquis du Mont-Mouché et le Réduit Tatrouillère. Et on s'était rendu compte, malheureusement, que les jeunes avaient tendance à un peu délaisser à la fois le concours national de la résistance et de la déportation, et aussi les cérémonies entre guillemets officielles. Et peut-être le côté formel des cérémonies, j'en sais rien. Et puis on a essayé de trouver une solution pour les remobiliser en faisant un travail d'histoire et en s'appropriant l'histoire locale. On a participé au CNRD. Nous avons donc fait un film sur l'histoire d'Henriette Pichon, qui est une femme qui a caché une cinquantaine de jeunes filles juives et leur a fait une éducation scolaire. On a eu, grâce à Guy Werner qui a fait reconnaître Henriette Pichon juste parmi les nations, nous avons pu nous a prêté ces dossiers, ces recherches qui nous ont fortement aidés à pouvoir avoir les informations pour pouvoir travailler dessus. On va applaudir parce qu'il est stressé. Là. On a eu l'aide aussi de Jean Hervaux, un généalogiste, qui nous a permis de pouvoir contacter des enfants cachés. Nous avons réussi à avoir des témoignages de certains. Nous avons eu l'honneur d'avoir pu tourner dans le château de Barré-Bussol où l'histoire s'est passée, qui nous a été prêtée par Tom van der Pla, le propriétaire. Donc nous, avec Charlotte, contrairement à Alexis, on est seulement en quatrième. Donc, le concours national de la résistance, on ne peut pas trop y participer. Donc, on est seulement figurante dans le film. Mais juste être figurante, ça nous apporte quand même énormément. Et même sur l'histoire d'Henriette Pichon, on en a énormément appris. Et c'est incroyable tout ce qu'elle a fait, cette femme, avec tout ce courage. Et vraiment... elle avait énormément de courage pour faire tout ça.
Les enfants aussi, qui ils étaient très courageux, parce que ça doit pas être simple d'être séparé de toute sa famille pour être avec une personne qu'on connaît pas au départ. Le 29 juin, on va faire une cérémonie à Barry-Bussol où il y aura des discours, une commémoration. Ce sera en l'honneur de Henriette Pichon. Et il y aura probablement des enfants qu'elle avait cachés. Il y aura. C'est sûr. Des enfants qu'elle avait cachés quand elle est cachée. Et c'était important de rendre hommage à cette femme qui, d'après ce que j'ai compris, était tombée un peu dans l'oubli de l'histoire. Madame Pichon dépossédait de son collège, voire un château situé à Bussol, commune de Barré, dans la ville. J'aime bien ce que vous avez dit sur la responsabilité de chacun. Ils ont fait preuve d'humanisme uniquement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, peu importe leur croyance, leur appartenance sociale ou autre. Et il y avait le cousin du pasteur du Chambon-sur-Lignon en 1942 qui avait dit « Si j'ai participé à cette aventure, c'est pas pour participer à l'aventure, c'est que je savais que si j'y ne participais pas, j'aurais honte de moi-même. » Belle réussite. C'est super, mais merci à vous aussi, parce que votre établissement, d'abord vous venez de loin, vous tapez entre guillemets presque 3 heures de route, mais ce que vous êtes capable de faire au sein de votre collège, c'est assez magnifique. On a encore pu voir à Pauillac la nouvelle vidéo que vous avez réalisée, c'était quand même exceptionnel. Donc on compte sur vous, voilà. Et pour dernière question, et avant de te laisser, comment il s'appelle Nicolas, notre collège? Alors votre collège, c'est Jean de la Fontaine de Saint-Germain-des-Fossés. Waouh ! Voilà ! Et la forêt que tu vois là-bas, ce sera notre royaume à cabane. On pourra aussi y faire de belles parties cache-cache. Tu vas un peu mieux, Michel, maintenant ? Oui. À la bonne heure. Tu vois la balançoire là-bas ? Tu peux y aller, mais uniquement si cela te fait plaisir. C'est vrai ? C'est pas simple, votre truc. Non, c'est pas simple. Alors. Mais comment vous arrivez en si peu de temps à faire un film comme vous l'avez fait? C'en est dopé. C'est la pris de la testostérone. Non. Ça doit être ça, ouais. C'est le clafoutis. Le clafoutis bourbonnais. La bête du Gévaudan. Terrassée à Auvert. Déjà, on a découvert pour la première fois le film, très émouvant, petite larme à l'œil. Et ensuite, on a eu des bravos et tout de tout le monde. Et c'était très touchant. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que c'était très touchant d'entendre ça, parce que on a passé 2 jours à faire ce tournage, et pour avoir autant de compliments, ça en valait le coup, je trouve. Et surtout pour moi-même, parce que vraiment le film était génial. Et ensuite, dans l'église, les personnes qui ont fait les films, et d'ailleurs même à la salle, les autres films, ils étaient très bien aussi, enfin film ou ce qui était. Lecture. Voilà, lecture ou radio, c'est ça. Mmh. Et ben c'était aussi, ils ont fait du bon boulot, très bon boulot même. Et le repas, qui était un bon petit plus, qui était génial aussi. Franchement, c'était une super journée. Si possible, si vous êtes plusieurs, c'est pas grave, mais un représentant de chaque famille qui va venir avec les élèves donc, du collège de Sog, qui ont préparé la plaque qui va être dévoilée pour pouvoir inaugurer. Bravo. Je parle au nom de nos 3 familles. Nous, les familles,
tenons à remercier l'association Les Chemins de la Résistance, ainsi que les élèves du collège de Sogues et bien sûr les élèves des deux autres collèges et leurs enseignants, de nous avoir réunis pour rendre hommage aux nôtres qui ont péri en juin 1944 sur la commune. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, pas que jamais ne revienne le temps du sang et de l'aide. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Moi, je ressens de l'angoisse. C'est par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Eux sont notre avenir et eux seront plus intelligents. Oui, espérons-le. Enfin, plus intelligents. Ouais. Si, regardez. 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 D'accord. Non, non, non. Mais on peut dire le temps. C'est là. Bon, d'accord. C'est un bon représentant de la Ligue. On les a toutes ramassées. Regarde, mais c'est du rosé. Merci. Quoi t'as dit? Non mais. J'ai même trop mangé carrément. C'était entre hier soir et. Ouais, midi, hier hein. Soir. C'était trop bon. Eh ben très intéressant, très émouvant aussi surtout. Et ben, en plus il y a des personnes âgées qui sont là pour témoigner. Un petit peu leur expérience. Et très belle expérience, très émouvant en fait. D'accord. Content d'être venu. Ouais, bien rejoindre. Content. Ouais. Ouais, ouais. Des créatures bizarres à Auvers. Bonjour jeune homme. Des membres de différentes associations de mémoire et des enseignants qui se sont retrouvés autour d'une table voilà, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour motiver les élèves et leur permettre de mieux appréhender l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus qu'on est sur une région qui est très concernée, puisque nous avons le maquis du Mont-Mouchet à proximité. Et donc l'idée c'est de choisir une thématique et tous les établissements qui participent, donc il y a 4 départements maintenant, il y a le Cantal, l'Allier, la Haute-Loire et la Lozère, chaque établissement du primaire jusqu'au lycée,
vont mener un projet, vont faire des recherches et mener un projet, et ils vont le présenter lors d'un parcours de mémoire qui a lieu toujours au mois de juin. Et ça leur permet aussi de les initier un petit peu à la recherche historique et comment on fait l'histoire, puisqu'on leur amène des sources, des documents, ils travaillent sur ces documents. Bon, ils peuvent aussi laisser libre cours à leur imagination, ce qui est normal d'ailleurs. On a un grand historien qui s'appelait Paul Venn qui disait que l'histoire était un roman vrai, donc il y a le côté romancé quand même, on est obligé de boucher des trous, mais ça leur permet de mieux s'approprier l'histoire locale. Voilà. Et 10e édition, c'est pas rien quand même. Hein. Non, c'est pas rien, et ça s'étoffe, on a de nouveaux établissements, et cette année, y avait énormément de monde, et j'espère que ça va continuer, et on espère qu'on va repartir pour une 11e édition qui sera aussi bien que la 10e. Mais sans nul doute, vu le monde, vu l'enthousiasme, tu verras dans notre web TV ce qu'en dit Charlotte qui est là, c'est sa première. D'accord. C'est touchant. Travail de mémoire, et... toujours pour rappeler les années 39-45 et même avant, où il y a eu autant de problèmes, autant de malheurs dans les familles de toute la région, alors que la guerre se passait finalement bien ailleurs. Bien ailleurs. On parle de gens qui sont morts, qui ont été détruits, qui ont été martyrisés, enfin, à qui on a fait subir des choses atroces, quoi. Et le musée de la Résistance vous accueille sur notre commune. Des villages et hameaux marqués par des parcours de mémoire. Le thème de la journée que j'ai vu sur votre flyer, le thème de la journée était « Résister, se libérer, reconstruire ». C'est ce qu'ont vécu les habitants d'Antérieux après la guerre de 1944. Je tiens à remercier l'école Fioleron de Saint-Flour, le collège Joachim Barrande de Sogne, le lycée et collège du Sacré-Cœur, l'école de Rimet, le lycée Théophile Roussel, le collège Jean de la Fontaine de Saint-Germain-des-Fossés, mais aussi remercier M. Planche-Nicolas, très impliqué dans notre musée à Antérieux. Peux-tu nous dire ce qu'est un maquis et quel est son but ? C'est un lieu de rassemblement pour la résistance. Ce mot peut aussi désigner un groupe de résistants. Ce lieu doit être dans une région reculée d'accès difficile. Ces groupes de résistants rassemblés dans un maquis doivent, le moment venu, s'arrêter et faire la guerre. Ce travail a permis de connaître l'histoire de ces hommes et femmes hors du commun qui ont fait preuve de courage et parfois don de leur vie pour notre liberté. En fait, ils vont venir mettre des petits repères sur la prise qui est sur le bord. Donc, si des personnes veulent se mettre juste un peu décalées, ça suffira, ou de ce côté. Et sur la carte, qui est sur le côté. Pour la commune de Rimet, il n'y a pas eu d'événements très significatifs. Les témoins de l'époque ont seulement signalé qu'il y avait eu des passages de troupes allemandes et parfois des contrôles sur les routes. Nous avons tout d'abord sélectionné des événements marquants de la résistance qui appartiennent à nos pays. Alors, sous le nom de Monsieur Cartier. Avant guerre, j'étais représentant de la RKO Pictures en France, la plus ancienne des sociétés américaines indépendantes de production de films de cinéma. Ces derniers quittent le village vers 18h et les hommes retenus dans les maisons pour ressortir sans crainte. Mais nous savons que les 10 et 11 juin, les soldats allemands reviennent et les combats pour la libération vont faire rage.
nuit, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? On se fonde sur des sources et on confronte des documents et des sources. Et vous avez vu l'ensemble des élèves qui sont passés depuis ce matin, à la fin de leur film ou à chaque fois qu'ils font une production, expliquent d'où ils ont tiré leurs idées et ils citent les sources. Et ça c'est important parce que... Non, non, on n'a plus le temps. Non, non, on n'a plus le temps.